Me voici au trou numéro 10 du parcours d'Anaïta, parcours, je le rappelle, dessiné par Ernie Els. Magnifique parcours, je prends beaucoup plaisir. J'ai joué 9 trous, alors la situation, bah, vous avez vu la première partie, je suppose. Si vous n'avez pas vu, regardez à droite sur cette page, il y a forcément le lien pour la première partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets un lien quelque part sur la vidéo, vous cliquez dessus ou autour de cette vidéo pour voir la première partie. Alors la situation est suivante, je suis très content de mon jeu. Je tape bien la balle, je suis assez content. Maintenant, le petit jeu m'a coûté un peu cher, putting et approche. J'ai fait 2 très vilaines approches sur les 2 tours précédents, ce qui me coûte 2 doubles bogeys. J'ai un peu honte, je vous avoue. Mais c'est pas grave, ça arrive. Je vais continuer à développer un bon long jeu là au retour, j'espère. Et puis je vais essayer d'apprendre de mes erreurs de l'aller pour ne plus les faire au retour. Essayer de rentrer un peu les potes. Et puis surtout ne pas faire des approches dans ces gros roughs là si je dois en refaire. En désévérant. Alors trou numéro 10, c'est un petit par 4. Il fait 316 mètres. J'ai quand même pris le driver. Le danger, il est à gauche, là. À droite, c'est pas trop grave, mais il faut surtout que je reste à gauche, à droite, pardon, du cocotier qu'on voit, là, qui dépasse. J'ai le vent avec, donc je peux vraiment mettre un demi-coup de sandwich pour le green. Ça me ferait du bien de démarrer le retour avec un birdie. C'est parti. Un peu à droite ça, Renaud. Ah, un peu à droite. Ah, je vais être dans le rough. J'espère ne pas être gêné par les arbres. Mais elle est bien sortie. Ça va bien se passer. Les arbres en fait sont plus loin que ce que j'imaginais. Donc il me reste 95 mètres. J'ai pitché où? J'ai dû pitcher là. Parce que ça monte un peu et puis c'est encore très très humide. Bon, 95 mètres. J'ai pris un 56 degrés. Je pense que peut-être mieux valu que je prenne un 52. Ça monte. Bon, j'ai un peu la flemme d'aller chercher le 52. Je vais prendre le 56, la mettre pied droit et la taper un peu solide, quoi, un petit peu fort. Je pense que ça devrait suffire. Ça semble pas mal. Ouais, c'est à hauteur, c'est un peu à gauche, mais c'est à hauteur. Bon là j'ai mis vraiment un gros coup de sandwich. C'est pas mal. Allez, c'est reparti pour le retour. Un bon coup ça. Bon, je vais taper un peu fort normalement. J'aurais mieux vu un coup un peu moins intense avec un 52. Mais vous voyez, l'intérêt de taper fort dans la balle, parfois c'est de se dire que voilà, j'aurais pas pu être. Avec un plein coup de sandwich, je pouvais pas être trop long quoi. Un coup de 52 un peu trop appuyé, j'aurais pu être trop long et me laisser un coup en descente plus difficile. Allez Renaud, on va s'appliquer sur ce putt. J'aimerais beaucoup faire un birdie là. Ça me ferait beaucoup de bien parce que comme short de 2 doubles bogeys très malheureux, double bogey, c'est un peu sévère quoi dans le score. Mais bon, faut l'accepter, c'est comme ça. Allez, petit birdie là me ferait le plus grand bien. Je vais mettre cette balle 20, on va dire, trentaine de centimètres à gauche, là, gauche-droite. Ouais. Allez, je vais surtout m'appliquer à trouver la distance. Alors, c'est pas évident, hein, parce que les greens roulent pas très bien, là, avec toute l'eau qu'ils ont eue il y a quelques jours à peine. Forcément, les greens n'ont pas pu garder une forme olympique. Allez. Ah ouais, mais ça roule pas, Renaud. Je le sais, je peux pas incriminer le parcours. Ça fait 10e green que je putte aujourd'hui. Je le sais que ça roule pas. Bon, me voici au trou numéro 11. J'ai eu une petite interruption à cause de la pluie, donc j'ai dû m'arrêter. Et le problème, c'est qu'il y a du monde, là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pas faire 9 trous, je vais en faire que 6. Je vais jouer 10, 11.
Et là, il y a moyen pour moi de sauter le 12, 13, 14, qui sont des trous intéressants à jouer, mais qui sont pas forcément les plus jolis finalement. Un petit peu en montée comme ça, bon, c'est pas les plus scéniques. Donc je vais les sauter et je ferai ce retour que sur 6 trous. Allez, c'est parti. Là, j'ai une lumière magnifique. Le but, c'est de rester un peu à droite du bunker de gauche, là, parce que le bunker de gauche est atteignable. J'ai un peu vent de face, enfin, plutôt 3/4, là. C'est pas évident. Donc, il faut que je reste plutôt à droite du fairway. Enfin, milieu, à droite des bunkers. Celle-ci est parfaite. Ouais, plein milieu, mais il va me rester la distance parce qu'il va être 391 mètres hein, quand même. Alors mon drive, alors la balle est tombée, elle a même fait du backspin. Il me reste 168, il faut en faire 5. Bon, faire 5, il faut que je l'appuie un peu. Vous voyez, mon pitch est là. Je l'appuie un peu, je vais viser straight to the flag. Faut vraiment pas que je reste court parce qu'il y a le bunker. C'est un bon coup de golf ça, Renaud. Ouais, super shot, très content de ça. Elle est sur le green, pas très loin, petite chance de birdie. Ouais, je suis super content de ce coup, un coup de fer 5. Clean comme ça, vraiment j'adore. Je sais pas exactement où je pitch. Je sais pas où mon pitch. Bon. Peut-être là. Alors, birdie ou pas birdie sur celui-ci. Allez, on va essayer d'atteindre le trou au moins. Je vais jouer bord droite et surtout je vais essayer de trouver la distance. Je me dépêche un peu là parce que comme il y a beaucoup de monde sur ce parcours en ce moment. Je ne vais pas déranger les autres joueurs. Allez, au moins on va jusqu'au trou. C'est navrant. C'est navrant parce que... Et parce que comme je le disais, j'ai même pas l'impression de mal poter en fait. Je vais pas pouvoir terminer avant la nuit, donc je vais sauter le 11, 12, 13, qui sont des jolis trous, mais qui sont vraiment pas les plus jolis. Ils sont un peu dans une petite extension là-haut. Donc je vais aller directement au 15, et là on va arriver sur la fin du parcours qui est grandiose. Donc je ne ferai que 6 trous au retour, et puis voilà. Me voici au trou numéro 15. Les petits rayons de soleil parfois qui percent, c'est magnifique. Assez magnifique. Donc je dis, j'ai sauté 3 trous. Parce que ce que j'ai surtout pas envie, c'est de rater le 16, 17, 18, qui sont 3 trous merveilleux, surtout 17, 18 en bord de mer. Ce serait dommage d'arriver à la tombée de la nuit. Là. Alors là, c'est encore un par 4 monstrueux, hein, et je suis que des blancs là. Hein. Il fait 410 mètres d'ici, donc j'ai 412 mètres vent de face. C'est un par 5 quoi. Et j'ai 15 mètres, 15-20 mètres plus court que les back tee quoi. Un parcours très long, même des blancs il est long, et là j'ai vent de face quoi. Bon, il faut que je vise, je pense que le bunker de gauche là, celui qui est à droite des deux là, n'est pas atteignable avec le vent. Mais bon, le but c'est quand même de se tenir un petit peu plus à droite, et comme c'est un dogleg droite, si je pouvais être encore un peu plus à droite que ça, ça me raccourcirait un peu le deuxième coup. Mais à droite là-bas, je sais que c'est pas très bon, il y a risque de balle perdue. Donc je vais quand même viser la partie gauche du fairway. Si je pousse un peu, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle finalement. Allez, si je la déroule comme ça, ça peut être très très bien. Oula, un peu trop à gauche, je suis revenu par-dessus. La situation est complexe parce que bon, j'ai pas fait un très bon drive, j'ai peut-être perdu une quinzaine de mètres,
Mais il me reste 211 mètres, vent quasiment de face, 211 mètres avec un gros bunker avant. Je pense que même un hybride, mon fer 2 n'ira pas, donc j'ai pris mon bois 2. 211 avec le vent, faut que je touche quoi. Faut que je touche bien. Allez, pour toucher ce par 4 en 2. Je vais viser un peu à gauche parce qu'à droite, moi si je dévisse un peu à droite, je peux vite faire des grosses erreurs. Je vais viser un peu à gauche pour me donner une petite marge de sécurité. N'importe où sur le green m'ira très bien sur ce trou. Et parfaite. Superbe coup. J'adore. Écoutez, je sais pas si je suis au green. Hein. Mais ça m'étonnerait pas. Écoutez, là, je fais un des meilleurs coups de la journée. Puis, il manque pas grand-chose. Hein. En portée, je pense que 4 mètres de plus. Il pitch là. Je portais 4 mètres de plus. Mais bon, il a fait 200 mètres dans le vent. C'est pas si mal. En tout cas, j'étais content de ce coup. Alors là, j'ai une sortie qui est quand même assez costaud. Bon, je vais pas avoir trop de mal à la faire décoller. Après, c'est trouver le dosage, quoi. J'ai pas fait une sortie de bunker aujourd'hui. On va voir. Allez. J'aime bien ces sorties là qui doivent monter très vite et s'arrêter très courtes. C'est plutôt des coups que j'aime bien faire mais qui sont toujours quand même un petit peu compliqués à doser. Je la balle un peu au-dessus des pieds donc je m'attends à ce qu'elle parte à gauche. Ouais. Allez. Oma. Ah, c'est dommage qu'elle ait. Je m'attendais à ce qu'elle parte plus à gauche que ça. Le côté positif de mon putting, c'est que j'ai souvent été dans l'axe. Ce qui est quand même pas mal. Le côté négatif, c'est que je reste court, mais les greens ne roulent vraiment pas. Ils ne roulent vraiment pas. Je pense que la pluie de la semaine dernière est pour beaucoup. Mais c'est pas quand même une excuse, quoi. Je dois pouvoir quand même trouver la distance. Ça fait toute la journée que je putte sur les mêmes greens et qu'à chaque fois je fais la même erreur de rester court. Alors là je vais vraiment visualiser le trou comme s'il était là quoi. Mon objectif c'est de toucher ce petit point là. Je vais même oublier le trou. On va voir ce que ça donne. Parce que je me sens pas si mal au putting. Hein. Je me sens pas mal et pourtant ouais, le point derrière. Ah bah oui, bah, il a touché le point derrière. Bon, nous voici sur le trou numéro 16, hein, 16, 17, 18, ouais, c'est ça le 16, qui est un magnifique trou. Bah, la mise en jeu est belle avec ses bunkers qui dessinent très bien le fairway et la zone de retombée de drive. Et la deuxième coupe, vous verrez, est très beau. Puis sur le green, je crois qu'on voit la mer de nouveau. J'ai 382 mètres. Et vous voyez, plein vent de face, 380 mètres plein vent de face, c'est encore un petit par 5 quoi. Alors bah, je vais essayer de l'appuyer, vous voyez hein, que je tape fort mes drives, heureusement que je suis bien dedans, je suis content. Alors c'est l'avantage d'un Aïta, hein, c'est un parcours driving friendly comme on dit, c'est-à-dire que c'est assez large quand même, donc ça libère pas mal de drives. C'est aussi, voilà, les parcours larges sont souvent longs. Alors je vais viser à gauche des bunkers, même si avec le vent là, je pense que je peux pas aller sur les bunkers. Mais bon, je visais juste à gauche des bunkers, ce serait la ligne idéale, ça me laisse de la place à gauche, à droite, si je devais dévisser un tout petit peu mon drive. C'est plutôt par là qu'il faut aller. Ouais, c'est parti. Un peu à droite celle-ci, en direction des bunkers, mais je pense que le vent n'ira pas. Bon, et eh bien 185 mètres, hein. C'est alors je l'ai mise un peu haute, je pousse un peu à droite, une balle qui sort à droite, souvent la face de club s'orientant à droite, la face de club s'ouvre un peu, là où un driver fait 9-10 degrés d'ouverture, bah, il va faire 12, donc j'ai pris un peu de hauteur, mais là il y a un vent incroyable quoi, et même s'il part pas back tee,
Vous voyez ? Beaucoup de vent de face, quoi. Donc je perds 25 mètres à chaque fois. 185, je prends un fer 2, mais j'ai même du mal à croire que je vais parcourir la distance avec ce club. Je pourrais prendre mon bois 2. J'ai fait combien avec vent de face tout à l'heure ? Bois 2. J'ai fait 100. Je sais plus, j'avais 210 mètres. Et moi, j'ai fait 205, peut-être 200 mètres. J'ai 185, je pourrais être 15 mètres long, c'est pas mal. Je pourrais prendre le bois 2, parce que le fer 2, à mon avis, j'irai pas 185 avec ce vent. Le fer 2, je dois faire normalement 195, quoi. Mais là, je vais perdre plus que 10 mètres. Ah, le bois 2, pour attaque de gain, c'est un peu bizarre quand même, mais... Allez, soyons fous. Ça fait quand même des sacrés par 3. Hein. Ah ouais, mais il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parti. J'ai pas besoin de l'attaquer trop. Beaucoup d'équilibre. Surtout dans le vent de face, comme ça. Ah oui. Bon. Je sais pas ce que j'ai bidouillé là-dessus. Bon, bah c'est pas un bon coup. Bah, j'ai raté ce coup, je le sentais pas vraiment. Je crois qu'après la réflexion, j'hésitais entre deux cannes. J'ai pas su prendre la bonne décision. Et là, il me reste 87 mètres. Au moins, c'est des coups que je me laisse assez souvent sur les par 4 en deuxième. 87 mètres. Alors bon, bah, il y a encore vent de face, ça monte un peu. Je vais le compter pour 95. Ouais, ce sera un pitching wedge. J'ai pris 100 mètres, là un coup de sandwich tout à l'heure 100 mètres, mais là le sandwich je sais qu'il n'y a aucune chance d'y aller. Ça aurait pu être un 52 quand même. Le drapeau bouge pas, c'est étonnant. Parce que moi, s'il bouge. Parce que moi j'ai quand même beaucoup de vent encore ressenti là. Hein. Beaucoup de vent. Je vais prendre un petit coup de pitch là. J'essaie de la tenir basse. J'essaie de la tenir basse, on verra bien ce que ça donne. Ça va pas être facile de trouver la distance. Ah, un peu à gauche, c'est dommage. Elle est longue à gauche. C'était pas un si vilain coup, hein. Vent de face, c'est toujours un peu difficile à contrôler ces petites cannes. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait que je travaille. Hein. Les joueurs pros savent très bien faire ça. J'ai pris un fer 9 roulé. J'aurais pu prendre putter aussi, mais bon, comme je suis pas... je pense que j'ai à la limite plus de chances de bien doser au chip qu'avec un putt. Allez. Et pourquoi pas dedans pour sauver le par? . 162 c'est derrière, 131, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais le drapeau est coincé court à gauche, avec bunker partout, et un vent de ouf de face. 132, je vais prendre un fer 7, ce que j'ai pris là, ouais. Je vais prendre deux cannes de plus, normalement c'est un fer 9 pour moi. Et là je vais prendre un fer 7. Fer 7, j'hésite presque avec un petit fer 6 quoi. Est-ce que je pourrais mettre un petit fer 6 à 130 mètres, 30 mètres, 30 mètres de plus que ce que... Parce que le truc c'est que j'ai envie de la taper doucement cette balle, parce que si jamais elle prend l'air... Je sais pas. Allez, un petit fer 6. Beaucoup de vent. Ouais, j'ai visé 3-4 mètres à droite du drapeau. Je vais le jouer très soft.
J'ai entendu une expression américaine qui disait « When it's windy, hit it softly ». Quand il y a beaucoup de vent, tapez doucement. Parce que si je tape fort, faire 7, là, elle risque de monter. Et si elle monte, bah, elle part dans tous les sens et puis elle prend encore plus le vent, quoi. Je vais viser 4-5 mètres à droite du drapeau et je vais faire un 3 quarts de swing, quoi. Comme si je voulais faire un coup de 150 mètres au fer 6. Je crois que je suis super court. Il lui manque quand même 12 mètres de profondeur pour être correct. Bon, coincé là-bas au bout, c'est quand même c'est assez compliqué, mais il me reste 20 mètres. Ouais, il manque encore 3 mètres, quoi. C'est magnifique. Alors il fait 25 degrés là. C'est très agréable, il y a du vent évidemment. Très agréable. J'ai trouvé la distance quand même. On m'a rebogué. Rebogué, mais les conditions sont quand même costauds. Nous voici au trou numéro 18. Magnifique trou également qui est entièrement longé là par le bras de mer. Alors, si vous voyez à droite, il y a une espèce de mur noir là. C'est un ancien four. Four à pain, je crois. Donc il faut surtout que je reste à gauche de ça. Alors en fait, l'idéal... Mais là, alors pour le coup, j'ai le vent un petit peu avec. Regardez. Enfin, gauche-droite. Il n'est pas vraiment avec, il est gauche-droite. Enfin, il est vraiment comme ça. Donc là, je sais que moi, j'ai la portée parce que j'ai déjà overdrivé ce truc-là. Et là, si je suis pile au-dessus du mur, de la partie gauche du mur, là, sur un drive assez bien claqué, il me reste un fer 4 pour le green. C'est un par 5. Et puis en plus, le deuxième coup, là, pour le coup, j'aurai le vent avec. Fait suffisamment rare pour être souligné. Donc bon, en fait, il faut que je vise le petit pic rocheux là-haut. Hein. Vous voyez la double montagne, un petit pic qui se détache. C'est l'idéal, ça ou un peu plus à droite de ça. Allez, je ne vais pas non plus me déchausser sur celle-ci. Ça ne vaut pas la peine. J'enregistre. Ouais. Ah, on y va, dernier drive, un joli coup, ce sera parfait. Elle est parfaite. Bon, et ben en fait, je suis assez déçu parce que je sais pas pourquoi. Le vent vient de là. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais joué, ils nous ont mis back-t, peut-être. Mais là, il me reste 260 mètres pour le green. Là, le vent va un peu m'aider. Là, j'étais peut-être latéral. En tout cas, ma balle, moi j'ai l'impression qu'il manque 30 mètres sur ce drive. Bon, c'est pas grave, c'est un par 5. Je vais quand même prendre mon bois 2. Je vais le tenter. Là, vous le voyez, le drapeau, je vous fais un petit zoom. Vous voyez le haut du restaurant, là, du bar-restaurant. Eh bien, il est à gauche du toit, le drapeau. Bon, alors, il est défendu de partout. Hein. Il y a bunker devant, a priori. C'est là que je devrais terminer, dans le bunker. Mais bon, c'est un par 5 en deux, dans un bunker de green sur un par 5, c'est pas mal. Allez. Un joli coup de bois 2. On peut y aller. En 260 mètres, vent dans le dos. Je sais pas si je peux avoir le carry quand même. Ça tourne bien, j'aime bien mon swing là. J'aime bien mon swing. Entraînement paye. Ah.
Ouais, un petit peu à droite. Bon, il n'y a rien de grave, je vais être dans le rough à droite. Mais bon, c'est un par 5. Approche putt, ça reste le birdie. Bon, bah, je suis très à droite, mais vous voyez, de toute façon, je n'avais pas les distances pour aller jusqu'au trou. Il reste 47 mètres. Je n'avais pas la distance. Hein. Quoique, le green, l'entrée green est là-bas, donc ce n'était pas complètement inimaginable. Alors, vous voyez que le vent l'a beaucoup aidé. Hein. Là, le problème, c'est que je suis encore dans ce rough un peu compliqué, 47 mètres. Il faudrait surtout pas que je refasse la même erreur que sur les deux précédentes, là, au 8 et au 9, où j'ai décéléré. J'ai pris un peu l'herbe avant. Je ne sais pas si vous voyez la chauve-souris, là. Une chauve-souris, là. Donc, je disais, 47 mètres. Faut surtout pas décélérer, que je fasse pas la même erreur que sur les... Voilà, faudrait que... Je sens que je me déplace un peu aussi, c'est pour ça que de temps en temps je tape un peu avant. Allez, il faudra que je traîne en descendant. Et que je vaut mieux être trop long que trop court sur ce coup, de toute façon. Ah bah là, je vais être très long, tombe. Allez, une approche un peu serait bien. Je vous avoue que les conditions sont difficiles. Beaucoup de vent. Je parle fort. Alors peut-être, j'espère que vous n'entendez pas le vent dans le micro, mais moi, je parle fort parce qu'il y a du vent, quoi. Ah, regardez. Allez, une approche un peu serait parfait. Ou une approche tout court pour le birdie. J'ai pas fait de birdie aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu fatigué là. Le vent, des par 4 qui font des tailles de par 5, taper des bois, des fer 2 en deuxième coup, des fer 5 pour les plus petites cannes, prendre des coups de fer 6 à 130 mètres, bah, mine de rien, ça fatigue et j'ai fait que 15 trous là. Hein. Bon allez, on va sauver ce par quand même. Ce serait bien. Ce serait bien que je sauve ce par. Je vous en montre un. Toujours court. Bon, ben ça sera encore un bogey. Je suis un peu désolé de vous montrer ça. Trois bogeys pour finir. Ouais, c'est ça, trois bogeys pour finir. 15, 16, 10, 4 bogeys pour finir. Mais bon, je m'en veux pas. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir quand même produit un jeu de golf assez sympa. J'ai bien drivé, je touche bien la balle. Petit jeu n'est pas extraordinaire. Le putting, bon, j'ai pas réussi à trouver la vitesse des greens. Je suis resté court tout le long à l'image de ce pote-là. Mais bon, je suis content de ma partie quand même. Je suis content de ce vlog. Je sens la pluie arriver, ça a été un peu compliqué cette semaine, j'ai été obligé aussi de faire des arrêts, de rentrer le matériel, de ressortir. Et je vous laisse là, en tout cas j'espère que vous avez apprécié me suivre comme ça sur ces 15 trous ici à Naïta. C'est un parcours magnifique, alors moi je suis très indépendant, hein. Je ne dis pas que c'est magnifique parce que Naïta m'a demandé de venir. Je dis qu'il est magnifique parce que je le trouve effectivement magnifique et j'aurai plaisir à revenir si j'en ai l'occasion. Voilà, à Naïta Golf Club. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Vous retrouverez d'autres vidéos d'enseignement que je vais tourner demain après-demain. Ils annoncent aussi soleil. J'ai quelques petites vidéos sympas à tourner d'enseignement que je remettrai sur la chaîne. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé jusqu'à l'issue de ce vlog. Et puis, je vous dis ben, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, Amit. Amit, tu m'apportes quoi? Des serviettes froides. Des serviettes froides. Je vais tourner la vidéo pour te montrer. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. La serviette fraîche. Là, pour enlever la crème solaire et rafraîchir. Oh. Oh, ouais.
J'adore. Crème solaire, hein. Oubliez pas surtout de la crème solaire. J'ai vu un dermato il y a 2 semaines qui m'a dit toujours, tu mets de la crème solaire, Amit. Il faut mettre de la crème solaire. Bon, toi, t'as la peau encore, ça va, t'as la peau mauricienne. Toujours la crème solaire, hein, les Européens, parce que même quand il n'y a pas de soleil, il paraît que c'est très dangereux. Minimums 200. Fifty, 40, 30, 20, 10.